Coucou mes petits hérissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 24 de Divinity Original Sin 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller Mémorial au héros. On va y aller et on va s'occuper de ça, de la petite mission que je vous parlais là. Hop, est-ce qu'on peut refermer genre... On va aller au Mémorial au héros et puis on va du coup s'occuper de ça. J'espère qu'on va y arriver. Tiens, je vais juste faire une petite sauvegarde dans le sens où je suis allé chercher un point de source et j'ai pas envie de tout laisser tomber. Donc, Sigi Vidas, l'héroïne lézard, elle a servi Lucian le divin avec une grande dignité, terrassant les créatures étranges surgies des cavernes millénaires de la côte de la Faucheuse. Les objets qui lui ont permis d'accomplir cet acte valeureux reposent sur ces lieux. Ok. Ok, Sigi Bromelem, l'héroïne naine, elle a ouais, elle a survécu, hein, repoussant les démons. Ok, bref. En gros, c'est pareil pour tous. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Ifan de monter là. J'ai d'autres trucs que je pourrais mettre. Non, il n'y a pas grand-chose par là. Los, on va lui dire de grimper ici. Et non, Los remonte par là. Toi, tu vas aller là. Oh, bon sang, Los. Fais pas la conne. Voilà. Et le dernier. Soudain, la terre ondule violemment. Hein. Bref, allez, vous devez mourir. Le dieu roi l'exige. Et en gros, c'est le combat. Donc là, je sais pas combien de... Oh non, t'es sérieux, mec? Bon, on passe un tour, c'est pas grave. Je suis deg. Donc là... lui... Ouais. On va faire ça. On va balancer une flaque de pétrole par ici. Voilà. Ça va être plutôt pas mal. Lenteur, du coup. Ce sont... Les tombes seront les vôtres désormais, Adéide. Ok, bah c'est que tu veux. Du coup, lui, est-ce qu'on le focuserait pas? Si on va le focus. Voilà. Une petite adrénaline. C'est bon, quand tu arrives à le prononcer, c'est un peu mieux. Yes. Là, on est plutôt pas mal. Salaud. Bon, ici on va pas lui mettre du soin pour le moment, ça sert à rien. Par contre, lui, on va lui faire un petit restauration. Yes, ça va être plutôt pas mal. Du coup, éclair et béton. Est-ce que je peux avoir les deux là? Non, ça va pas être utile. Et Garrick, bah tiens, on va utiliser ça, ça va être très bien. Et un petit encouragement, comme ça, tout le monde est content. Yes, lui, ça lui a bien mis des, bien pris des dégâts dans la tête. Donc là, c'est à nous. Il veut pas l'invoquer comme je veux. Ça doit être à cause de la flotte. Je suis sûr.
On va lui mettre un petit pouvoir de machin. Voilà. Bah tourbillon, hein. d'XP, donc vous voyez, pof. Là, ça va être plutôt pas mal. Celui-là, il risque de crever après. Et vous voyez qu'il est revenu d'entre les morts là. Là, va falloir vraiment le défoncer rapidement. Yes, coup critique. Yes, un autre coup critique. Enfin, non, c'était même pas un autre coup critique, j'ai des conneries. Je pense que je vais le permuter. Dès que ça va être à son tour. Non, manqué, sérieusement. Du coup, là. Pourquoi je peux pas? Ça échange les places de deux personnages, vous pouvez être l'un d'eux. Il m'emmerde là. Sincèrement, il m'agace. Non. Puits de grelon, ça va pas être intéressant. Pour lui non plus. Peut-être que pour lui. Ouais, ça va être pour lui qu'on va faire ça. Yes, il est gelé. Comme ça, on est tranquille. T'es sérieux, t'as se transformé machin en poulet? Ah, fais chier parce que. C'est un invocateur. Il va grimper, je suis sûr. Ouais, bon, régénération, c'est un bon skill au final. Je sais pas ce qu'il lui a fait. Mais ça me fait chier en fait. Ah putain, 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 Soy, Soy, Soy. Faut falloir que je te mette une fortification là. Non. Bon, là, on n'a pas trop le choix. Et voilà, on va pouvoir te soigner. Donc là, ça va bien se passer. Ça va être très bien. Par contre, il y a un truc que je sais pas, c'est si. C'est si on peut ou non. Voilà, donc ça va être pas compliqué à péter. Ça va pas être trop être dérangeant. Je vais peut-être attendre pour utiliser ça. Et là, le poulet, ça va bientôt être terminé. Ok. Éclair hébétant. Je vais mettre ça par là au cas où que. Yes! On a réussi à l'avoir du coup. C'est pas forcément pile poil ce que je voulais faire, mais bon.
Un petit charme. Non! J'ai mal cliqué! Le misclic! Oh putain, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible, le misclic de la mort. Yes, je crois qu'il y a lenteur sur les deux. Non, peut-être pas sur lui. Bon, on focus lui. Yes. Ça se passe bien pour le moment. Ah. Et je peux quand même l'avoir de le par ici. C'est pas le top du top, mais bon. Haha. Tu peux pas m'avoir comme ça. Du coup là, toi là. Shit, shit, shit. Voilà. Lui va réapparaître. Lui devrait mourir. Ok. Et bah. C'est très bien, c'est ça que je voulais faire. Et il réapparaît pas. Yes, nickel. Ça me va, moi ça me convient. J'ai combien? J'ai 2, 4. Toi, on va pas te focus pour le moment, ça sert à rien. Ça va bien se passer. Toc. Contre-coup. Un dernier. Normalement, c'est bon, il est mort. Et là, 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 là. Bah tiens, on va faire ça. Ça, il va s'endormir. Il va rien foutre de ce tour-ci. Il peut pas faire grand chose à part se téléporter parce que sinon voilà, c'est ça, il a subi les étourdissements. En contrebas. Toc, ça c'est fait. Mais merde, c'est pas ça que j'aurais dû faire au final. Tant pis, tant pis, tant pis. Et ben on voit le focus. Un coup critique. Nickel, c'est pas mal. Du coup, ici, jeu des ombres. On se téléporte là. Et voilà, ça commence bien. Toi, on balance les trois cristaux là. Pof, coup de froid. On fait une fin de tour. Vous ne pouvez pas me vaincre. Bah, si, 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 on peut. Ah, je crois qu'il a téléporté Ifan en bas. Ouais, c'est ça. Salaud, il m'a bien. Il m'a bien téléporté quand même, à Petoshnok. Hein. État de choc.
Ah tiens. Sauf que hémorragie va pas pouvoir être infligée. J'ai pas réfléchi. Un peu de flotte, d'accord. Vas-y, bah vas-y, mets-moi de la flotte. Je te dirai rien. Et j'ai lenteur? Il aurait fallu que je m'en doute. Yes, ça me coûte que 1 PA et je peux l'attaquer après. Nickel. Est-ce que je peux me mettre derrière? Non, je peux pas me mettre derrière. Ok, bah c'est pas grave. Est-ce que ça va faire enlever la fumée? Je suis pas sûr. Hein. Non, merde. On va essayer ça. C'est bon. Mais non, mais... Qu'il est con! C'est pas possible! Bon, c'est pas grave, au moins c'est une téléportation rapide. Je sais pas ce qu'il nous a foutu, malédiction, je crois, décomposition. Eh, tu vas te calmer, hein. Parce que des gars comme toi, j'en bouffe tous les matins au petit-déj. Voilà. Ah bah tiens. J'ai pas pensé à te faire une restauration, mais... Ça aurait été plus rapide, hein. Oh putain, merde. Et c'est reparti, tu vas mourir. Nickel. Ouais, un anneau. Par contre, du coup, Ifan, tu vas tout prendre. Ok, deux anneaux. La dégant. Nickel. Une baguette. C'est tout. Bromley, Quadric. C'est ça. Ok. Ok. Du coup, sac du prince rouge. Sac d'Ifan. Il me faut le sac d'Ifan. Et on va identifier tout ça. Deux bagues, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est des bagues de level combien? Niveau 11, niveau 11. Ok, donc ça c'est une baguette de feu qui va être carrément mieux que celle que tu as à l'heure actuelle, Los. Bon, par contre, elle me fait perdre de l'intelligence. Au final, je m'en fous un peu parce que c'est pas les dégâts que je veux que tu fasses avec. Donc non, on va te vendre. Ça, ok. Aréoturge. Quand même, la limace qui est intéressante, donc on va, non, on va la garder. Celui-là me donne est mieux que celui-là. Celui-là, on va les changer déjà. Après, ici, là, on avait des gants. Ah ouais. Les chances de critique, par contre, sont plus intéressantes chez notre cher copain. Mais par contre, il a pas de force, donc tant pis. Ce sera notre cher ami qui va s'en équiper. Et peut-être que tu auras des gants mieux que ça.
Ah non. Et là, les anneaux Aréoturge. Ouais, et Ifan, est-ce que cet anneau te conviendrait peut-être mieux? Non. Restauration est quand même pas mal, l'anneau de Mingo, même si c'est un anneau de départ. Ouais, bon, ouais, ça va être très, très bien comme ça. On va rester ça sur ça. Et on est à combien d'XP du coup là? On a pas mal avancé, je pense. 41 000. On est bon. Donc le mémorial des héros, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a comme autre endroit que j'aurais zappé? Nous avons vaincu les quatre héros qui semblaient être assermentés à quelqu'un qu'il appelait le Dieu Roi. Le repos des héros. Ok. Ok. Bon bah c'est fait au moins. Ah oui, aussi il y a un truc important. J'étais en train de regarder mes quêtes. Il y a la quête de machin là qui, je ne sais plus vers où qu'il est. Peut-être vers ici. Faut que je retrouve l'entrée. Où en fait je vais, voilà, il est là. Tarquin. Pouvoir lui passer. Les objets, enfin l'objet, ou en tout cas lui parler que j'ai récupéré l'objet. Ah, cher ami Osekai, tanné de par le soleil. Vous avez trouvé votre bonheur dans la tombe de la vieille Sureille? Admettez avoir besoin qu'il vous rafraîchisse les idées. Ouais, on va lui montrer, on s'en fout. Il place sa main sur l'artefact et ce dernier commence à réciter des paroles dans la langue démoniaque. Réunir et restaurer, je tue le péché. Et ceux qui osent la vie menacée. Rends-moi mon unité et recollez-moi pour me reconstruire. Dans les archives du passé, ma lame est cachée. L'île du sang versée par de nombreux démons occupés. Oui, en gros, c'est à l'île du sang, ça. Je suis pas. Voilà. Hein. C'est donc vrai, anathème, à portée de main. Dites-moi tout. Il n'y avait rien de plus? Vous n'avez pas vu à cet endroit d'autres curiosités? On va lui dire ça. Mais comme de bien entendu, il va de mon devoir d'érudit d'apprendre tout ce que je peux sur le monde qui nous entoure. De tous, vous êtes sûrement le mieux placé pour comprendre cette soif de connaissance. Il est temps que je joue franc jeu avec vous. C'est la poignée de la légendaire Anathème, une épée capable d'annihiler tous ses adversaires, même un divin. Imaginez-vous cela. Avoir au creux de la main une puissance capable d'anéantir le soleil comme les ténèbres, une lame de vie et de mort, de miracle et de péché, une épée de rédemption. Je peux restaurer Anathème, mais nous n'en détenons que la moitié. Il nous manque encore la lame. Heureusement, la poignée vient de nous dire où la dénicher, sur l'île de la lune sanglante. Ouais, enfin l'île de sang, quoi. Insister sur le fait qu'il a perdu la raison, le nom même de la larme. Le nom même de l'arme laisse envisager une catastrophe. On va lui dire la 1. Je sais que vous me considérez. Je sais. Ouais, ok. Et à juste titre, comme un gredin. Mais je préférerais que vous me voyiez comme un adorable polisson. Un polisson digne de confiance. À moins que vous ne préfériez faire confiance à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas à Dalice? Je suis sûr qu'elle adorerait tenir une arme capable d'anéantir un Adéide. D'un simple chiquenaude. D'une simple chiquenaude. Revenir sur votre décision, vous trouverez le reste d'Anathème. On va lui dire ça. Eh bien, tes gens, et avec du tempérament, revendre. L'île de la lune sanglante vous tend les bras, mon ami. C'est là une redoutable excursion. Mais cela me laissera le temps de préparer mon atelier. Nous nous retrouverons à bord de la Dame Vengeance, si vous le voulez bien. Ok. La deuxième fois a-t-elle porté ses fruits? Ou vous ai-je lui dire que vous n'avez pas encore trouvé l'autre mode? Ok. Je veux commercer un peu avec toi. Donc ça on peut le vendre, ça aussi, ça aussi.
Il me semblait que j'avais des armes. Ah voilà. Ça, on va pouvoir la vendre. Ça aussi. Et le reste, on va garder. Ça nous fait combien? Ça nous fait 3000. Porte de l'éternité. Déjà, on va vendre. On va accepter. On va regarder, mais je pense que je l'ai déjà. Oui. Ah non, mais c'est de la nécromancie en fait. Non, c'est de l'invocation. Non, si, c'est de la nécromancie. Ok, la dague de niveau 12 là qui pourrait peut-être être intéressant. Ah oui. 1 de dextérité, 24 PV. Par contre, possibilité d'attaque sournoise. Je perds l'application d'acide. Ça m'embête un peu. Ouais, mais je fais quand même plus de dégâts. Ça peut être intéressant, quand même 10 de dégâts en plus. Elle vaut 1000. Oh, c'est cher. Non, non, non. C'est pas grave, on va rester sur ça. Et on va essayer de continuer un peu notre épopée. Où c'est qu'on n'est pas, où qu'on n'est pas encore allé? Par là, on est allé. Objet de valeur enterrée de Bromley. Ok, d'accord. J'ai des points d'intérêt maintenant. Des coffres. Donc, on va essayer d'aller récupérer. Donc, ça, c'est les coffres qu'on a récupérés auprès. Grâce à la tombe. Le pacte. Ok, donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer tout ça. Cimetière voyager. Comme ça, on a moins loin à passer par ici, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et on va aller récupérer le coffre qui se trouve être par là-bas. Donc le premier coffre, par ici. Ah, il est là. Yes. Comme d'habitude, c'est notre cher Ifan qui ramasse tout. Et par contre... Ah ouais, on va perdre un de perception, on va perdre un en chasseur, mais c'est pas grave, il faut qu'on s'en équipe. Et là, les bottes... Non, elles sont pas assez intéressantes. Elles sont pas assez intéressantes et du coup par contre on est passé, on est à 31 000. Je pense qu'on va aller hauteur paradisiaque. Est-ce qu'on a le point? On n'a pas le point. Donc, on va faire une petite sauvegarde. Tranquillou. Écrasé, oui. Et on va du coup descendre par là. Les hauteurs paradisiaques, on va pas pouvoir passer. On va essayer de passer par là. Allez. En espérant que ça va bien se passer. Je sais plus si je suis rentré ici. Ah, c'est vrai. Commercer avec toi. Ok. Là, ça va être pas trop mal. Ça, c'est quoi? Bûche de bois de vie. Ça pourra servir à faire quelque chose, ça, d'intéressant, je pense. Ok. J'accepte le pognon. Ah mais peut-être que c'est vrai qu'il nous avait dit de repasser pour la qu'elle allait peut-être nous remercier donc on va aller voir c'était où déjà? Ouais, c'était là la trappe. On peut toujours pas ouais on va pas le voler, c'est un copain, il nous aime bien.
On va aller voir, on va lui parler. Je n'ai ni le temps ni l'envie de. Vous n'avez rien à me donner en gage de bonne volonté. Un simple cadeau peut faire des miracles, vous savez. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Figurine en bois. Ah. Elle est contente maintenant. Je commence à me sentir moi-même à nouveau, enfin. Les magisters m'ont arrêté à Arx pour un crime de sorcellerie. Ils m'ont attaché à une table et ils m'ont mis quelque chose dans ma tête, quelque chose de vivant. Ensuite, ils m'ont mis dans une caravane pour Forgeois. Ils m'ont dit que j'allais finir au service du marteau. Et je me sentais que je changeais. J'ai arraché mes chaînes aussi facilement que si c'était du parchemin. Je me souviens entendre des cris. J'avais du sang sur les mains, dans ma bouche. Mais ce n'était pas le mien. Puis j'ai couru. Et je me suis réveillé ici. Ok. Comment tu peux me dire en gros je sais pas ce que j'ai ramassé, mais j'ai ramassé un truc. Comment qu'elle peut savoir que je l'ai agressée si elle se souvient pas de moi? Un peu bizarre quand même, comme fille. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là, faut qu'on redescende par là-bas. En espérant que je vais pas me faire agresser par là-bas. Comme je vous dis, je m'étais fait agresser, mais je ne sais plus par quel côté. Anneau. Tarteau. Attendez. Il y a quoi? Parchemin de charme. Baguette de fortune. Ouh, il y a des trucs à récupérer. Allez les gars, on va attendre. Et là, on va revenir après par là-bas. Je sais pas où qu'elle est. Peut-être par là-bas. Ah, elle est là, doyenne. Elle était level combien? 14. Donc ça, c'est pas le bon niveau, c'est pas le bon endroit. On va tout prendre. Et là, bah, va falloir qu'on revienne du coup. C'était pas super important. Est-ce que au moins la baguette va vaut quelque chose? Ouais, 120. On va dire que c'est toujours ça, quoi. Que je peux. On va se téléporter là, c'est pas grave. Et quand s'équiper téléportation. Voilà, comme ça l'os elle a identifié tout le monde. Ok, on avance. Là, je suis pas sûr qu'il faut aller par là-bas. Hein. Ça sent mauvais. Je sais plus vers où que c'est. Mais j'ai envie de re-sauvegarder parce que je sais que je m'étais fait agresser dans le coin, mais. Où exactement? Je sais pas. Ok, bon. Là, il y a quelque chose par ici. Un camp elfique. Ok. On va aller faire un tour par là-bas.
J'aimerais bien essayer de retrouver l'endroit où je m'étais fait agresser. Ah. Là, il y avait les serres bizarres. Quatre serres sont regroupées près d'un hôtel en ruine. Trois d'entre eux, le regard nébuleux et la robe fauve, observent un grand squelette noir qui émet une lueur verdâtre sinistre. Ok, maintenant! 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 Grrr, intervenir, ce cerf semble être un anéant. Les trois serres à la robe fauve secouent la tête, leur regard semble s'éclairer. Hein? Que. Où sommes-nous? Herb! Vous, misérable vermine, toujours là où il ne faut pas, il suffit! Ok, donc je me fais attaquer vraiment par des cerfs là. Ok. Est-ce que les cerfs sont mes copains? Je dirais que oui. À l'attaque! Par le démon! Ok, qu'est-ce qu'ils font les cerfs? Contre-coup. Ok, ça c'est bon. On va faire une petite adrénaline. Par contre, j'ai pas réfléchi parce que, en fait. Voilà. Tic, 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 tic. Et non, je pensais que ça l'aurait soigné, mais non, ça ne l'a pas soigné. Chemin bloqué. État de choc. Un petit encouragement sur tout le monde. Je pense que de toute façon il devrait se faire gangbang. Hop, encore un état de choc. Là c'est pas mal. Bélier. Allez les copains cerfs! Non, t'es sérieux, t'as manqué ta cible. Alors qu'elle est assise. Enfin, qu'elle est par terre. Ah oui. À l'attaque! Et fin de tour. Puis bah défonce-le. Oh non, t'es sérieux, ça va pas être assez suffisant. Yes! On a réussi. On va parler au cerf. Il est vraiment mort. J'ai l'impression d'avoir des fourrés à la place du cerveau. Si vous n'étiez pas arrivé à point nommé, je serais devenu comme lui. Mes bois en soient remerciés. Vous êtes intervenu à temps. Ouais, je sais. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Merci, ami, câlin. Ok. Et lui? Ce n'est pas pour vous flatter, mais sans vous, cette créature nous aurait. Bon, je sais pas ce qu'elle nous aurait fait, mais je veux pas le savoir. Bon sang, je crois bien que je pourrais avaler une vache tout entière. Je. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, parce qu'une vache, mec. C'est pas trop dans tes coordonnées, enfin dans tes trucs que tu dois faire, quoi.
Du coup, maintenant on a des nouveaux copains. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Donc on a pas mal avancé. Et je crois que c'était par là. Ah, je ne sais plus. Attendez. Je sauvegarde parce que. Beaucoup de sauvegardes, malheureusement. Mais. Si je me fais gangbang. Ce qui devrait arriver normalement. Je crois que c'était par là. Je crois que c'était par là, donc on va pas le faire. Ou à moins que c'était par là. Je ne sais plus. Bon bah ça en prend. Mais c'est pas là qu'on a. Ah si, on a déjà tué. C'est là qu'on a tué quelqu'un en fait. Camp elfique. Oui, c'est par là. Il y avait le rituel bizarre là. Il y a un rituel à faire, mais quoi exactement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et là, il y a une grenouille de la rivière. Ok, bon, on va aller parler à la grenouille parce que. Je vais aller devant le coffre. Si vous vous approchez trop près, ces types vous vous croient transformés en passoires. Je vais essayer de me glisser par derrière. J'aime les croix. Défi. Ok. Il parle de quoi là? Pas mal. Il a l'air d'avoir du bon stuff. Et avec un peu de chance, l'os va pouvoir me trouver une nouvelle arbalète pour notre cher compagnon. Une amulette de la mort qui tue. Quarante 67. Ouh, troc et porte-bonheur. Nickel. Là. Normalement, c'est celle-là que tu dois avoir, normalement, si je dis pas de bêtises. Et là, tu me proposes quoi? Et je perds un distance. Et là, oh oui! Oh oui, je la prends. C'est. Voilà. C'est une truc de niveau 14, par contre. Regardez comment qu'elle est trop puissante. Par contre, elle fera pas trop de dégâts. Ça, c'est dommage. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Notre cher copain là, qu'est-ce qu'il nous a comme. Bon, sans équipe quand même, parce que. C'est du bon stuff. C'est vraiment du bon stuff. Et en plus, on va bientôt passer. Level up. Et ici, il y a quoi? Oui, bah j'imagine que ces crânes ont été laissés en signe d'avertissement. Je sais pas ce que c'est. Si c'est le terrain ou non des. Comment ça s'appelle? Ça doit être le clan des machins à Ifan là. Fragment du bois de vie contaminé par le néant. Néant. Ok. Là, il y a des latrines. Un nuage de vapeur électricité. Pourquoi il veut pas se téléporter? Je comprends pas pourquoi il voulait pas bouger.
Oh putain, c'est quoi ces trucs là? Ouais, ils ont pas l'air commodes. Mais les gars, va falloir faire quelque chose, hein. Voilà. Et une fois que ce sera fait, on pourra enfin partir. Donc là, il n'y avait rien dans l'elfe. Il reste combien de temps encore? 2 tours. On va fouiller ça en attendant. Pou, 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 pou. Sérieusement, que ça? Bon, on prend tout et Loz va nous identifier ça. Pyrokinésie et troc. Ok. Bah mec, je suis désolé, mais bon, à un moment... Persévérance. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Il y a un elfe mort par ici. On va allumer la torche, ça devrait faire tout exploser. C'est ce qui me semblait. Et là. Là, il y a un piège, mais c'est pas grave, on va le faire exploser. Bon sang. Ah merde! Ah shit! Ok, les autres vont pouvoir passer par là. Barricades sont pétées. Parce qu'en fait, je crois que c'est Soy qui a le plus de visu. Donc là, on est carrément en mode exploration de la zone. Ok, je crois que Soy s'est fait gangbang. J'ai même pas vu le truc. Ah, on peut plus monter. Bon bah, on se barre.
On va explorer les alentours et puis on verra bien ce qu'on va trouver ou pas. Ah, il y a un truc là. Ok. J'essaie de trouver un chemin, mais pas par là. Chapeau de magicien. Prends-moi ça. Ça peut toujours servir. Et là, on est où exactement? D'accord. On est par là-bas et là, il y a un camp elfique par ici. On va monter par là. On va voir si on trouve quelque chose ou pas. Pas grand-chose par là, j'ai l'impression. Il y a juste un camp par ici. Ouais, d'accord. Ah, il y a une mise à jour, la tribu de Shaina. Nous avons trouvé un groupe d'elfes tribu, hein, cela les intéressera de sans doute de savoir ce qui est arrivé à Shaila. Ok. Donc ça doit être à eux qu'il faut qu'on aille parler. Toc. Halte, nous sommes en plein rituel, personne ne doit nous déranger. Perception, prétendre que vous avez déjà affaire à un. On va lui dire ça. Sérieusement? Le rite funéraire, c'est quoi ça? Ok. Est-ce qu'on peut passer quand même? Ils sont level 15, donc là c'est mort, on pourra pas passer. On va s'en aller. C'est pas grave. D'accord. Et il y avait un endroit du coup où je suis pas allé. Je sais pas si ça doit être par là. Je me rappelle plus par où que c'était. C'était peut-être par là. Attendez, on va rebrousser le chemin. Je sais même pas par où je suis là. Là, il y avait les serres par là. Ou à moins que c'était par là. On va essayer. Je suis sûr que je me suis fait agresser. J'ai peut-être rêvé, c'était peut-être pas là. Bref, ah si, ça doit être là. Ouais, c'est là, j'en suis convaincu que c'est ici. Vous allez voir que je vous dis la vérité. Ouais, c'est ça. Il y avait un voyageur mort là.
Les autres, on va les mettre comme ça. Et ouais, qu'est-ce que je vous avais dit? Ils sont pas difficiles, ils sont pas trop au level, mais mais je me suis fait gangbang. Il y a rien, donc c'était peut-être un piège en fait, hein. Regardez comment qu'ils font mal. Et ils se remettent invisibles. Voilà. T'es sérieux toi? Alors que je soigne Soy très rapidement. Contre-coup. Voilà, là, on fait ça. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé de touche. Je sens quelque chose tout près. Allez, allez. Malheureusement, l'os, elle va pas pouvoir soigner. Là, c'est à nous. Je peux pas me soigner là. Avec genre deux potions. Ouais, ça peut être pas mal ça. Yes. Ah, après, vu que je savais comment, on va dire, les contenir. Linceul noir, suffocation. Vu que je savais comment les défoncer, ça a peut-être aussi aidé sur le fait que... Tire dans le ciel. Non, non, faut mieux que je me fasse une retraite stratégique. Genre, ici, là. Et que je tire ici, ça sera quand même plus puissant. Non mais sérieusement, manqué. Eh ben j'ai bien fait de soigner l'os. Toi, tu devrais mourir. On va claquer notre point de source pour la soigner. On va claquer notre point de source pour la soigner.
Il y en a un autre qui est apparu en fait. D'accord, je comprends mieux. Ça c'est fait. Yes. Coup critique. Non! C'est quoi ce pouvoir de malade, quoi? Putain, mais ça me casse les burnes. Yes, 10 000 d'XP. Déjà, on en a buté un. Toi, tu vas bientôt clamser. Allez, allez. Non mais t'as vu tous les dégâts que tu fais? Ah non mais faut qu'il se téléporte juste à ce moment-là quoi. Combien de dégâts vous faites là, les gars? C'est pas possible. C'est à moi là. Je sais pas quoi faire. Sincèrement, je sais même pas quoi faire parce que... Là, si il m'en reste un là à tuer, il en reste un là. 3. 1, 2, 3, il en reste 3 quoi. Bah oui, bah il va buter l'os quoi. Mais arrête de te téléporter comme ça, bordel!
Ouais, bah, je crois qu'au final, c'était pas le bon. J'ai bien fait de sauvegarder avant parce que j'ai pas le niveau pour les buter, quoi. Faudra que je revienne, mais plus tard. Parce que là, ils ont tellement de trucs d'invisibilité, de machin, de trucs, de bidules que qu'ils arrivent à me défoncer, quoi. Ok. Bon, bah tant pis. J'avais pas dit de conneries, hein. On va s'arrêter là pour cet épisode-là. Pour l'épisode prochain, je pense qu'on ira essayer de d'aller voir ce qu'il y a par là-bas. Et puis ce sera pas mal. Des bisous, c'était Soy, et je vous dis du coup à très vite. Ciao, ciao. Merci encore d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout.